qui fait déplacement pour venir couvrir la conférence de presse, qui font unifier les transporteurs et les travailleurs d'Haïti. FITRA à bail matin dans une occasion très pénible pour nous. Conférence ça matin, nous pourrons débattre trois points là-dedans. En particulier, camarades nous, Guy Polinis, alias Tigui, Miagouane, qui en pile dans nous la presse et en pile dans la population. Et nous, dans le département NIP, on est et on apprécie en pile comme nos militants du terrain. Avant que nous démarrions ce premier point, nous avons permis de prendre une minute de recueillement pour camarade Guy Polinis, responsable FITRA dans le département NIP et qui est un activiste politique aussi. Je prends une minute de recueillement dans mes mois camarades qui disparaissent depuis vendredi 24 décembre 2021. Et jusqu'à maintenant, nous n'avons pas de nouvelles et nous comptons dans quel pays que nous vivons. Ok, merci. Fonds unifié des transporteurs et des travailleurs d'Haïti FITRA, que moi-même, Montel Joseph, moi j'ai l'honneur que m'a dirigé comme coordonnateur général, vendredi 24 décembre, moi j'étais dans une émission dans une radio dans la capitale là, qui était fini très tard. Après me sortir dans l'émission, on était gagné deux trois bagages pour me régler. Bagages t'as fini régler tout parce que t'es gagné un bouteillage en pile. Il dit pas dire que la rue à m'entrer la caille. 15 minutes moi arrivé la caille, mon téléphone m'a sonné. Moi ouais, un dirigeant syndicat caprélé mon camarade, mon collègue. Je prends appel là. Il dit moi, camarade, je prends l'annonceau une mauvaise nouvelle. Est-ce que vous êtes prêt pour recevoir? Je réponds, je dis, camarade, depuis la nouvelle là concernée, je suis prêt pour recevoir. Je dis, camarade, pas faire me souffrir plus, parler. Des gros bouteilles de l'eau au côté maintenant, nous tout prendre des gorges. Les camarades l'a dit, semblait camarades nous, Tigui, gros problème dans la zone Matissan. Nous tremblait. Nous tremblait pour qui ça? Parce que aux environs de 3 et 4 heures, nous avons un groupe WhatsApp côté que nous communiquons entre nous toutes nettes. Après l'émission, on regarde le groupe là, moi et monsieur poster une vidéo côté que la fait une distribution jouette. Mais comme les pas
il pas mettre un texte m'pas questionner des vidéos là m'dios garder vidéo là moi distribution jouet qui a fait bail tout monde ça s'arrête là m'ferme téléphone là m'ferme page là m'passe sur autre bagaille et les camarades là dit ça m'connais que c'est pour un camarade qui a menti son dirigeant qui est lié il gagne plus temps avec qui que moi l'idim il recevoir une voix de un chauffeur qui voyait le bali qui dit que Tigui t'a prend des balles matissant. Il était gain trois moun avec lui dans la machine là pendant la sorte Jacques Mel sorte fait distribution jouet bay ti moun à l'occasion Noël là l'autre deux moun yo tire yo tout. Il y a un quatrième monde, ça n'a pas fait rien, il a quitté l'allée. Même vos la dit, moun ça, il est monté dans le commissariat d'Elma 33. Mais ce n'est pas la police qui a arrêté. C'est lui qui est monté dans le commissariat d'Elma 33. Moi, j'ai entendu des messages. Non, j'ai entendu des messages là, pour prendre une nouvelle là. De là étant, comme nous-mêmes, c'est dans le secteur de transport, on a fonctionné. Nous connaissons Portail Ogana très bien. Nous connaissons Grand Sud-là, nous connaissons Grand Noir très bien. C'est à terre à nous. Machine nous. Et c'est en bas chargé. Pour faire tout Grand Sud-là. Ça veut dire que nous avons contact en bas. Nous avons des gens qui nous connaissent. Nous avons un problème, nous connaissons comment pour nous contacter. Moun. Et tout de suite, nous tous avons fait contact. Nous n'avons pas arrivé à jouer dans rien pendant toute soirée. Les gens qui sont arrivés aux environs de 11h, je ne peux pas jouer dans rien. Je fais une autre sortie dans nos foutoirs. Pour m'annoncer, mais ça là pour tout le monde. Et si il y a possibilité pour nous jouer, pour nous être capable de jouer. Je fais une nuit là, rien n'est pas tombé. C'était dans vendredi, dans samedi, je fais toute journée à ma faire recherche. Madame Nirelem tout de suite, il a fait recherche. Frère Nirelem, il a fait recherche. Camarade, tout le monde a prélé. Parce que moi, je dis nous, Tigui, en dehors de un bon chauffeur, un transporteur, un syndicaliste, mais son activiste politique. Tout. Tout le monde qui est dans la politique a prélé, qui vient avec lui. Camarade, nous. Nous, tout a fait contact. Depuis Fontamara, arrivé jusqu'à Portail Ogana. Nous avons fait contact. Nous fait contact depuis vendredi soir. Samedi pendant toute la journée, toute soirée. Dimanche pendant toute la journée jusqu'à 7h du soir. C'est après 7h du soir, je finis par rendre compte que nous ne sommes pas capables d'utiliser la thèse que nous avons assassiné Tigui Polinis. Thèse assassiné de Guilla, moi enlevé. Moi enlevé pour qui ça? Après toute recherche, toute démarche, et nous-mêmes, te prenons pompe funèbre qui est habitué à chercher cadavre dans une zone chaude. Nous déplacer une là-dedans, sur une moto. Nous virer dans toute zone, dans tout petit corridor. Tantôt, nous disons Matisse 117. N'allez, en rien. Matisse 115, n'allez, en rien. Matisse 109, n'allez, en rien. Matisse 107, 7A, en rien. Nous n'allez, en rien. Pour finir, la fête, deux jours, la chercher jusqu'à dimanche, aux environs de 6h, il dit, ah, je ne vais ni cadavre qui a brûlé, je ne vais ni mort, je ne vais ni machine. Ils sont obligés d'aller. Nous disons d'accord, ils mettent aller. Mais malgré ça, nous avons espoir de chercher toujours. L'homme qui vient dans lundi, nous et que nous ne pouvons pas jouer dans rien tout bon. Et bien depuis le dimanche soir, thèse que nous utilisons, nous disons camarades, nos frères, nos amis, nos collègues, nous. Guy Polinis, alias Tigui, porté disparu. Vendredi dans la soirée, dans la zone Matissan, avec deux mouns qui étaient accompagnés
trois mounes, deux disparaître ensemble avec lui, fait trois. Et puis l'autre monde dans lui-même, il n'est pas pillé dans la nature. Parce que jusqu'à maintenant, nous avons fait des marches, nous beaucoup jamais qu'à trouver qui côté lié. Parce que nous n'avons pas de nom. Je ne parle pas à madame, nous dit, comme si tu étais dormi avant, la caille est avec vous. C'est dans le matin sorti la patrie Jacques Mel. À qui moun était sorti? Il dit qu'il était sorti pour continuer la machine. Si le gars avait, c'est au coup de route qui prend mon yo. Là, nous faisons contact avec un grand frère Tigui qui est fou. Il dit nous information qu'elle joigne. Le Tigui sorti dans la distribution, jouette qu'il a fait dans un gage dans Jacques Mel. Il y a 5 personnes dans la machine. Dans 5 personnes, c'est le grand frère. Bon, moi. Il y a deux là-dedans qui descendent à Carrefour. L'autre trois continuent route avec Tibi à prendre Port-au-Prince. Et là où il est Matissan, eh bien, deux là-dedans avec Tibi pour te disparaître. Et l'autre là lui-même, il a dit rien pas arrivé, mais jusqu'à maintenant, je ne sais pas qui côté lié. Eh bien, ça que nous avons fait, aller dans le commissariat, nous aller dans la prison, un peu partout dans le morgue, nous pas jouer une trace Tigui. Nous pas jouer ni photo cadavre, nous pas jouer corps Tigui, nous pas jouer corps l'autre monde, même nous pas contre monde, mais nous pas jouer corps non plus. Il y a une photo qui a publié sur les réseaux sociaux, photo ça, pas gagné pour jouer avec Tigui. Madame ni dit moun ça, c'est pas Tigui. Frère seul dit moun sa, ou petit li dit moun sa, c'est pas Tigui. Et gen yon nan frère qui dit, le la fait recherche sur photo, photo sa, li la depuis 2020. Il va gagner rien pour jouer avec Tigui. Et ça pral rend nous plus confortable toujours pour nous continuer à maintenir thèse Tigui pour te disparaître avec des moun qui t'accompagnent la nan machine. Nan. Et troisième nan, et papi dans la rue jusqu'à maintenant, nous beaucoup qu'à joindre. Comme madame nan, elle pote plainte dans DCPJ après une fin faire recherche dans morgue dans l'hôpital dans commissariat yo, nous pas joindre trace. Là elle pote plainte dans DCPJ et la bien pour la pote plainte tout. Non comme non paquet de province. Et bien il était à DCPJ qui va mener enquête avec la justice pour connaître qui côté Tigui passé avec des gens qui sont avec lui. Nous avons remis dit pour la presse, pour l'opinion publique, Captain Dim, matin. Tigui, c'était un bon chauffeur qui a fait Miagouane, Port-au-Prince, depuis un pile temps. Tigui commençait à militer dans le syndicat dans APCH, cap dirigé par camarade Meuilly. Il vient quitter APCH, il rejoint FITRA. Et il vient représenter nous comme coordonnateur FITRA dans le département NIP. Mais en dehors de ça, Tigui, c'était militant politique famille Lavalas, qui a fonctionné avec Nenel Kassi. Et avec Jocelyne Brivère. À l'arrivée de Joseph Michel Matéli en 2010, qui était candidat, Tigui quitté Nenel, il quitté Jocelyne Brivère, l'a joint Matéli. Il fait campagne avec Matéli. Matéli arrive président, il fait tout le temps Matéli avec lui. Le Matéli remet le pouvoir en 2015, élection écrasée. Tigui rejoint Jovenel Moïse. Et depuis lors, il était avec Jovenel Moïse. Le sénateur privé, vu une élu président provisoire dans l'élection indirecte au niveau du Parlement, et bien tout de suite, sénateur Nenel Kassi, qui n'a jamais digéré le fait que Tigui était quitté, il était dit lui craser l'élection dans le département NIP, ils ont arrêté Tigui.
yo mette le en prison, yo jete le pénitencier national. Moi fait toute qualité de démarche qui te gagne. Moi écrit toute organisation droits humains à l'époque. Mba jamais rivé libéré Tiki. Moi écrit Amnesty International. Moi écrit organisation droits humains. Moi écrit toute l'autre syndicat sœur au niveau international. Nous pas jamais rivé joindre libération Tiki. Nous écrit les deux président commission sécurité dans parlement à l'époque sénatrice avec un autre au niveau chambre des députés. Yo fait des démarches, nous pas jamais joindre libération Tigui. Nous te gagné comme avocat maître Renaud Georges. Il fait toutes démarches que nous connaissons un avocat capable de faire pour nous rejoindre libération, nous pas jamais joindre libération. Tigui pas arrivé libéré. Quelques jours avant le président Jovenel installé comme président, Tigui va le libérer. Dans une fin libéré, il continue à rejoindre le président Jovenel, travaille avec elle, mais toujours syndicaliste. Il y a une machine qui amène la fait transport. Tantôt le conduit machine qui fait transport, tantôt le bail l'autre chauffeur, conduit pour lui parce qu'il y a une activité politique, pas la régler. Yo te rele Tigui nan Miyagwan ti Jovenel. Tigui te implique dans tout un série de bagay qui t'a fait dans le département comme des ordres. Monsieur te rejoint le puissant commissaire du gouvernement, Miskaden, qui mettait l'ordre dans le département Nipla, avec la police. Nous tous, comme la presse, nous connaissons zone Chalon dans Miyagwan, te gen un puissant gang qui t'a fait parler de lui, même Jean avec Matissan. Côté que moun pas capable aborder grand sud là. Leur arrivé Chalon et ben toute malheur a privé ou. Il y a kidnappé, il y a tio, il y a volé tout soir gagné, il y a fait cadre Jacques sous, toute malheur a privé leur arrivé Chalon. Et bien avec l'arrivée de Muscadet comme commissaire du gouvernement et puis avec directeur de la police dans zone là, Tigui te bail tout coup de main. Et bien moun ki te gang nan zone nan vinn pa ka fè gang Chalon encore en pile là-dedans yo descend vinn opérer Matissan. C'est sûr et certain moun sa yo pas zanmi Tigui et yo t'ap toujours surveiller monsieur. Monsieur Ferré lèl sorti Jacques Mel m'te toujours dit zone Matissan c'est pas côté pour passer. Sou ou pa ka rentrer Port-au-Prince pas rentrer. Rete dans le département. Et soit entrer, essayer de passer dans la zone de la boule là. Pas faire Matissan. Parce que depuis que vous avez barré, vous ne connaissez pas de chance. Parfois, ils sont en tête du, ils pas attendre. Et ce jour-là, ils passent Matissan. Et jusqu'à côté de ma parole avec nous là, je dois dire nous, Tigui, côté disparu, avec deux mouns qui étaient avec lui. Nous ne connaissons pas qui côté monsieur fait. Et par rapport avec ça, nous lançons un message clair. Par les autorités de facto qu'il a. Pour prendre toutes les dispositions qui sont nécessaires. Parce que en dehors des syndicalistes que Tigui est, mais Tigui, il était un proche. Est-ce que mesdames PIA, madame Martine Moïse, d'ailleurs, jouette qu'elle a distribué dans Yongagre, dans Jacques Mel, ses partisans, ses équipes, Martine Moïse, qui te fait jouer une jouette sale, qu'elle a distribué. Et nous avons constaté dans la virée Martine Moïse a fait dans le pays, Tigui toujours bon côté là. Et même là, il a pris le paquet de Port-au-Prince, nous avons constaté Tigui ensemble avec lui. Et pour les gens qui ont ouvert la dernière conférence de presse, tout est là, le 17 novembre 2021, Tigui était là dans la conférence à bon côté nous. Et c'est peut-être la dernière fois. Nous parler,
même pas de chance ou elle encore depuis 17 novembre il est dans la conférence là ensemble avec on pas espérer m'a jamais ou elle encore m'a jamais tendre encore tout parce que nous connaissons dans pays il y a un pile monde si tout journaliste qui porte disparu yo pas jamais rive joindre et ça qui fait nous mal si on te tue du guy vous devez négocier cadavre là avec même cadavre là si on tue il va négocier avec ça veut dire nous gain espoir que un jour nous capable joindre du guy mais doute nous gain c'est que yo pas relé nous pour rançon yo pas prend appel pas gain personne qui relé nous. L'homme qui est sur le téléphone, il sonne sans réponse par personne qui décroche le téléphone. Ça met un pile doute dans la tête. Ça veut dire, nous prenons tout le reste jour qui était dans l'année 2021 pour nous continuer à faire recherche là. Et depuis la première semaine, janvier 2022, si grand mettre la prête la vie avec ça qui ne pas eh bien n'a gagné pour nous chuter avec la presse encore pour nous dire qui ça que nous pral faire dans mémoire camarade Tiki parce que si nous pas jamais joindre ni pas jamais faire signe de vie pas de personne qui rele nous dit quoi que ce soit n'a considéré le disparaître tant que Félix Lamy tant que le Gaillard tant que Lovinsky, Pierre-Antoine, qui est toujours à faire mouvement chaque mercredi, Fouchan Masla, ils disparaissent jusqu'à maintenant, pas de monde qui joue une trace, qui compte qui côté ils fait. Ou pas jouer ni Corée, ou pas ni quoi que ce soit de eux-mêmes. Et nous connaissons la grande mode dans le pays noir, c'est juste disparaître monde. À part de plusieurs policiers qui sont dans le village de Dieu, à combattre la gang, ils ne pas disparaître, nous jamais un cadavre. Nous ne pouvons pas jouer cadavre, nous ne pouvons pas jouer un cadavre, nous ne pouvons pas jouer. Jusqu'à maintenant, vous avez disparu. Vous avez dit, ah, il y a un cadavre qui n'a pas mouru qui là. Vous avez en bas, il n'y a pas de gagner. Mais qui laisse dans nous, qui compte qui laisse, qui te rejette, qui laisse qui n'a pas mouru. Jusqu'à maintenant, rien. Parents, a pleuré. Amis, a pleuré. Et bien nous-mêmes, dans le secteur transport, nous prenons assez de coups. Nous victimes en pile. Nous sommes les premiers qui sortent le matin, qui permettent à la population de circuler. Et nous sommes les premiers qui mettent un adoquin dans la caisse de l'État. Nous sommes un secteur vital, important pour la société, pour l'économie haïtienne. Mais de très souvent, c'est nous-mêmes qui sommes plus méprisés, qui plus maltraités. Lorsque le secteur transport campé, yo di yo pa travail, yo en grève. L'économie paralysée totale capitale. Pays a paralysé. Parce que c'est nous-mêmes, majorité moun yo, c'est transport public qui prend pour déplacer pour aller en activité yo. Là ou pas de transport public, yo obligé contre eux-mêmes rete la caillou yo. Ça ka marcher à pied, marcher à pied. Mais les gens qui marchent à pied sont une quantité minime. Toute entreprise fermée, laquelle ne peut pas fonctionner. Quelle est privée, quelle est publique. La majorité des gens qui travaillent dans la fonction publique sont obligés de claquer. Parce que ce n'est pas chaque grand monde qui est dans la fonction publique qui a une machine qui a le travail. Ça veut dire que nous sommes un secteur important. Et c'est nous qui sommes plus victimes. Nous pas qu'à compter quand des machines yo brûlé pour nous. Quand des machines yo volé pour nous. Quand des machines yo crasé pour nous. Quand des chauffeurs yo tiré pour nous. Quand des chauffeurs yo kidnappé. Yo mandé nous gros l'argent. L'argent nous pas jamais posséder dans vie nous. Yo mandé nous. De très souvent, là on prend machine yo. Yo mandé nous en pile l'argent pour remettre nos machines yo. Là nous pas capable, yo prend ni marchandise client. Yo prennent les machines, yo démolir et yo lagé nous sous béton. Pas gagne yon côté nous capoter plainte. Dans même année 2021, yo kidnappé plusieurs autobus
des 50 places pour nous, à tout passager, autobus moderne. Yo bien pour yon de tout ça yopote. Le fini yon mende yon rançon. Yo fait kade jak sou yo. Et pour yon libérer autobus là, yon mende gros l'argent. Sou route à kaye. Son zone, nous perdons plus autobus. Yo krasé plus machine pour nous. Yo brûlé plus machine pour nous. Nan mwa passé yo. Avant assassinat président Jovenel Moïse. PLRC, la Kaili sous Kabani, la Kaili. Eh bien, yo brûlé un autobus pour un camarade, un autobus de 50 places. Qui a sorti pour de paix. Dans 5 minutes, yo brûlé. L'autobus a coûté 117 000 $. Et l'homme était assis en sous il est en 100, presque 140 000 $. Dans quelques secondes, yo brûlé. L'autobus qui a à peine 1 an et demi de fonctionnement. Mais pas de côté, non, quand madame a porté plainte. Assurance dit, il n'y a pas couvrir, mettre. Même le paye assurance là, il dit, il n'y a pas qu'à faire rien pour vous. Mais dans quel pays qu'il a vivre? Le secteur transport, décapitalisé, total capital. Même les gens qui ont décapitalisé, masse mounio, classe moyenne, les gens qui sont pauvres dans la société. Nous finis. Nous ne savons pas qui c'est pour nous relever encore. Nous fatigués. Nous bouqués avec ça qu'il a. Messieurs, dames, la presse qui est présente matin, si nous permettons toujours. Nous avons un grand sida qui est composé de 4 départements et demi. Qui est bloqué depuis le mois de juin jusqu'à date. Il est encore bloqué. L'abcès médaille dans la population. Jusqu'à maintenant, dirigeants, de facto ou non pas, la police qui l'a, des visions, c'est servi et protégé. Nous ne savons pas qui est protégé, qui est servi. Mais sauf que ce n'est pas peuple haïtien. Sauf que ce n'est pas nous. Les 25, ça a passé dans Matissan. Les 24, les 25, tout cas, ouais. Nous avons deux autobus encore. Autobus à c'est autobus à PCH. Ils ont criblé les machines. Les gens ont mouru. Les gens ont blessé. Pour nous dire que nous avons nous avons regardé. Médine, Dupi, ou jeune dit demoiselle, qui était descendue pour devenir faire activité pareil, soit anniversaire ou même mariage. Qui t'a préparé. Il a perdu la vie. Nos conditions pareilles. Qui laisse la porte plainte? Qui est-ce qui a porté plainte? Qui est-ce qui a dédommagé la famille? Qui est-ce qui a dit que c'est assez? Moi, je pense que je vous dis, c'est le peuple haïtien qui pourra assumer son habité. C'est nous-mêmes la presse. C'est moi-même syndicaliste. C'est tout notre secteur qui est conscient de ce qui a passé là, qui pour dire que c'est assez. Considérez que le pays n'a pas d'autorité. Autorité qui l'a eu, yo là pour jouer privilège que l'État met à disposition. Yo. Mais yo pas là pour aider nous dans rien. Nous connaissons pays a te gen une crise gaz. Sous table ça, pendant plusieurs conférences de presse, nous lançons 5 jours grève qui te prend dans tout pays à 100% à 99% des hommes. Pour nous dénoncer la mafia qui est dans le gaz là, qui a besoin de monter le gaz là. Vous créez un raté artificiel. Nous dénoncer. Malgré ça, vous dites si nous ne pas accepter le gaz là, c'est parce que nous-mêmes syndicalistes, nous avons un raquette de gaz. Gaz, ça est bon pour nous. Parce que nous avons 20 gallons de gaz, 2500 gouttes, 3000 gouttes, tout. Nous-mêmes, nous n'avons pas de gazoline, non? Mon petit bras machine ou mon petit bras moto nous gagnons. C'est nous qui avons commerce gaz. C'est nous qui avons gaz monté pour nous faire raquette. Ils ont même utilisé la presse pour shooter sur nous. Nous disons pas de problème. On met monté. Nous posons des conditions. Nous disons oui. On va pas ajuster, ok, d'accord. Pour nous retirer tête, nous ne pouvons pas penser que c'est nous-mêmes qui créons des problèmes dans la rate pour nous faire un gaz.
Parce que ceci est certain. Je descends ça là. C'est tu n'as pas le réel qui m'a couru. Si tu n'as pas le réel qui m'a couru, parce que c'est ton complot. Nous couler. Nous poser des conditions, nous dit, il y a une subvention ciblée pour le secteur transport. Subvention ciblée, ça. Il insère nos protocoles d'accord que le syndicat et le transport ont signé avec trois ministres dans le gouvernement de facto, Ariel Henry. Qui a plusieurs points là-dedans. Cette subvention ciblée, dans toute démarche que nous avons fait avec la Banque mondiale, sous question des sanctions, subvention ciblée dans le travail de faveur, que vous connaissez très bien. Mais nous ne pouvons jamais arriver à imposer subvention ciblée dans le pays. Vous venez d'accord avec la pression de la Banque mondiale pour entrer dans la subvention ciblée. Mais nous disons que la subvention ciblée, ce n'est pas bon des carburants que nous-mêmes nous connaissons. C'est un cas pétrolier de subvention ciblée. Quatre pétroliers, ça. L'a gagné numéro plaque machine que qui nan men chauffeur la pas sur transport sous lit l'arrivé avec ti 4 ça dans une pompe à essence à travers cette compagnie qui importe gaz dans pays ya, et à travers deux associations qui nan distribution gaz dans pays ya, Anadip et Anapros y a gagné ti appareil. Nous connaissons, nous avons 4 de crédit, nous avons une institution, nous achetons, nous mangeons 4 là, nous passons dans un appareil là. Eh bien, toute pompe à essence à travers 10 départements pays a bien un appareil ça dans main. Les chauffeurs arrivent, ils viennent faire gaz. Différence gaz là, eh bien, la plonge de 4 là, il y a passé dans l'appareil là. Et puis après, numéro plaque machine a monté. Si numéro sous T4 là, ce n'est pas lui-même qui. Ce n'est pas numéro plaque ça sous machine là. Désolé, la paye gaz là, prix qu'elle vend là. Il n'y a pas de bénéficier de subvention. Et c'est comme ça qu'il prend le fait. Quand il y a là, si numéro sous T4 là, il n'y a pas de appareil là, il monte, il correspond avec numéro plaque qui sous machine là, eh bien, il y a une différence là. Il y a passé l'appareil là. Il y a tiré différence là, et puis il y a plongé 4 là-bas le chauffeur. Et là, il a besoin de faire gaz encore, il a fait même bagaille. Mais sauf que, il n'y a pas fait gaz dans la rue. C'est nos pompes qui ont fait gaz. Et c'est machines qui ont enregistré. Quand on est dans le syndicat, quand on pas dans le syndicat, depuis dans le transport public, on a gagné 3 à 4 ça. Tout simplement, il y a une commission dans le protocole d'accord qui crée, qui pourrait faire gestion 4 ça. Pour que tout chauffeur transporté public capable de gagner accès à 4 là pour bénéficier de subvention. Ce n'est pas là, je te parle d'un poste syndicaliste. Tant qu'il y a fait dans la rue, il y a fait diversion. Il y a parlé de bons de cabiran. Pas de bons de cabiran, du tout. Nous-mêmes, nous ne pas entrer dans le schéma ça. Ce gouvernement a un plan de bons de cabiran. Nous avons dit bagay ça, syndicaliste, pas qu'à gérer, parce que ce n'était pas aussi organisé. Tant que tout notre secteur, nous ne pas entrer dans ça. Il va créer une crise et il va même durer 2-3 mois. Il va disparaître. Nous disons, mais avec 4 des pétroliers, nous avons diminué toute forme de corruption là-dedans, ni pour l'État, et ni pour nous autres syndicalistes, et ni pour transporter à tout. Et c'est ça que nous faisons. Pour que ça subvention ciblée, eh bien, subvention ciblée, ça qui est lié, la privée joue une population en direct, la KLI. Comment la privée joue une? Tout le monde qui a monté machine, transport public, de yon prend à un autre à travers 10 départements pays, eh bien, pour vous monter, vous pouvez continuer à monter machine, pour même prix, automatiquement, machine ça, li entre dans la subvention ciblée. Vous n'avez pas gagné pour monter prix à sous vous. Parce que le chauffeur ça lui-même, il continue à payer gaz là, même prix de vendre avant que vous ajustez prix. Et c'est ça. Nous te goumé avec yo pour nous déjouer pour la population. Et nous autres tous, qui prenons chai mandiri, nous pote en sou rouge dans le nord-ouest. Si nous devons porter sac diri ça, 200 gouttes pour client, nous continuons à porter pour 200 gouttes la poulie. Parce que le prix de transport n'a pas monté sous nous. Ça veut dire que les mêmes qui se machin,
qui va le vendre pyramide du consommateur final là, il n'a pas gagné pour augmenter son lit. Et nous sommes clairs, dans le même protocole là, nous sommes demandés, parce que le gaz là c'est un produit transversal, depuis au moyen, il a des conséquences sur tout ça que nous utilisons dans le pays pour nous fonctionner. Nous exigeons un prêt dans le protocole d'accord. Qui dit, dans un titan record, pour le ministre des Affaires sociales là, et du travail, réunis avec tout syndicat qui n'a testilio, qui n'a salaire minimum, yo, pour que yo fait un ajustement salaire minimum pour ni monde qui n'a privé, pour ni monde qui n'a secteur public là. Et nous demandons toujours, il faut un autre accompagnement à travers restaurant communautaire, boulangerie communautaire, pour que la population lui-même soit capable de aller en souffle, parce que le gaz c'est un produit transversal, automatiquement au moyen, il pourra avoir des conséquences directes sur le fonctionnement mondial.